Merci à la Guinée pour sa déclaration et pour l'accent mis sur la lutte à l'apartheidie. Encore une fois, un État de l'Afrique de l'Ouest, une région qui vraiment a fait des avancées considérables dans ce domaine. Et je voudrais saluer ceux qui ont été promus et mis en œuvre par la Guinée. Et également saluer la déclaration de la République démocratique du Congo. Ce passage démocratique est extrêmement important. En soi, bien sûr, mais aussi parce qu'il ouvre la porte à des solutions aux problèmes auxquels vous avez fait référence, des problèmes extrêmement complexes. Les réfugiés que vous hébergez sur votre territoire, je vous remercie d'avoir répété encore une fois ici la politique généreuse de la République démocratique du Congo envers les gens qui demandent refuge sur votre territoire, mais ainsi l'appel que vous avez fait pour qu'on expédie les solutions aux réfugiés congolais qui se trouvent dans les pays voisins. Et si je peux ajouter aussi aux déplacés congolais qui se trouvent sur le territoire. Je pense qu'il y a des importantes opportunités. Je prends bonne note de votre appel pour qu'on continue à vous appuyer, surtout dans des situations où des cadres tripartites peuvent être utiles à promouvoir ce retour. On va certainement œuvrer dans cette direction avec vous, en partenariat avec votre gouvernement. Souvenez-vous, lors du passage du président de la République, Félix Tshisekedi, à la 52e session du Conseil des droits de l'homme, au micro de votre magazine, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, avait répondu à toutes les questions relative à la guerre d'agression imposée au Congo par le Rwanda et ses conséquences sur le plan humanitaire. Malheureusement, des critiques fusent sur les réseaux sociaux sur les accords de rapatriement volontaire des réfugiés congolais résidant au Rwanda et ceux du Rwanda habitant en RDC. Pourtant, pour vous rafraîchir la mémoire, ces accords datent de 2010. Je voudrais rappeler qu'en 2010, il y a eu successivement deux accords importants signés dans un cadre tripartite, RDC, Rwanda, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des accords qui prévoyaient tout un processus de règlement de cette épineuse question des réfugiés. 13 ans durant, le Rwanda n'a jamais pris le soin de les appliquer parce qu'il n'y accordait aucune importance. D'où Kinshasa a tenu à les relancer en proposant une réunion tripartite pour mettre définitivement fin à cette histoire qui date de plus d'un demi-siècle. Aucun nouvel accord n'a été signé, sauf un communiqué final à Genève. Bienvenue à cette émission, merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des partenaires, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivi chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur
gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, monsieur Onema. Bravo. Multiples conflits à travers le monde. Certains réfugiés pensent même que cet organisme ne veut plus accéder à leur demande. Alors, tous les moyens sont bons pour faire entendre leur colère. À Genève, des réfugiés libanais, afghans, polonais ont pris d'assaut le micro d'Écho d'Europe pour lancer un cri d'alarme. Je veux de l'aide, je cherche de l'aide, je cherche de l'aide, tout soutien. Tout pays qui pourra accueillir ces familles pour les sauver de la maltraitance et de l'expulsion massive, s'il peut m'aider, je suis là. J'aimerais bien parler aux responsables, aux chefs des pays. Je suis là pour traduire, pour parler, parce que je vis avec ces gens tous les jours. La situation, elle est dramatique. Elle est dramatique. En apposant leur signature sur ce communiqué final, Christophe Lutundula, Filippo Grandi, et Marie-Solange Caïssiré, respectivement vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la RD Congo, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ministre de la gestion des catastrophes et des réfugiés du Rwanda, réactive les accords de rapatriement volontaire croisé des réfugiés rwandais d'un côté et congolais de l'autre dans leurs pays respectifs. Contrairement aux critiques qui fusent sur les réseaux sociaux, c'est un communiqué final qui a été signé à Genève, car ces accords de rapatriement avaient déjà été signés en 2010, mais ils n'avaient jamais été appliqués à cause du Rwanda qui n'y accordait aucune importance. Bon, il faut d'abord rappeler que c'est une réunion qui a été demandée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en février dernier lorsqu'il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et toujours en février, vers le 22, lorsqu'il était ici à Genève, il a rencontré le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés et encore une fois le secrétaire général. Les motivations du chef de l'État sont de deux ordres. D'abord, démontrer que le Congo honore ses engagements et en l'espèce les engagements que le gouvernement a pris dans le cadre de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda. C'est écrit noir sur blanc qu'on devait relancer le dossier du rapatriement des réfugiés congolais
Rwanda et Rwandais au Congo. Deuxièmement, il s'agit aussi de démontrer que notre gouvernement est décidé à mettre fin définitivement à cet alibi de réfugiés congolais ou de Congolais qui seraient persécutés, qui fuient le pays et qui sont obligés de rester ailleurs, dont au Rwanda, ailleurs où d'ailleurs on les instrumentalise pour déstabiliser leur propre pays. Donc voilà la signification profonde de la démarche du président et il faut la souligner. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de cette rencontre? Je voudrais rappeler qu'en 2010, il y a eu successivement deux accords importants signés dans un cadre tripartite, RDC, Rwanda, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des accords qui prévoyaient tout un processus de règlement de cette épineuse question de réfugiés. Malheureusement, ça fait maintenant pratiquement 13 ans, ces accords ont été gelés, ils n'ont pas été mis en application, tout simplement parce que il n'y a pas eu une bonne prise en charge. Parce que aussi, l'une des parties, pour ne pas la citer, c'est le Rwanda, n'y attachait pas d'importance. Donc nous avions tenu à relancer. Maintenant, le processus est relancé. Il faut lire le communiqué. Il reste à ce que dans les prochains jours, en tout cas dans un mois, les experts de toutes les parties, au commissariat réfugié, la RDC, le Rwanda, mettent en place, adoptent une feuille de route qui va prévoir les initiatives à prendre, les actions à réaliser, les différentes étapes et cette feuille de route sera soumise à qui de droit pour exécution. Donc, le Congolais doivent savoir que le président de la République est vraiment engagé à la résolution définitive de la question des réfugiés dans notre pays. C'est un communiqué final qui reprend les lignes de conclusion de discussion que nous avons eues aujourd'hui en tripartite. Nous avons un choix où on dit qu'il n'y a pas de bonne foi et donc on ne fait rien, où nous disons, nous faisons tout comme si tout le monde était de bonne foi et surtout pour démontrer au monde entier que nous sommes de bonne foi. Et donc, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, créer des polémiques autour de ça. Ainsi va la vie internationale, des engagements sont pris, toutes les parties sont supposées les honorer, les exécuter de bonne foi. Évidemment, si ce n'est pas exécuté, lisez la Constitution, même les accords, même les traités, il y a toujours sous réserve de la mise en œuvre par l'autre partie. Nous ne sommes pas naïfs, comme le président l'a dit et souvent nous le répétons aussi, les Congolais, le chef de l'État, le gouvernement, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas faibles, nous sommes tout simplement des hommes et des femmes, un peuple, des institutions qui veulent la paix en Afrique centrale, qui veulent qu'on laisse la RDC tranquille pour que nous puissions nous consacrer au développement de notre pays. Donc, qu'on ne pense pas que nous sommes dans le train de jouer une pièce de théâtre sans conviction. Nous en avons la conviction. Nous ne vendons pas des illusions à notre peuple. Nous nous battons. La vie est un combat, disent les Français. Au niveau des nations, l'histoire démontre que la vie des nations, la coexistence des nations, ont toujours été émaillées de contradictions, parfois violentes. Ce qui est important, c'est de résister, d'avoir aussi un pouvoir de négociation. Je crois que nous sommes en train de nous le donner, de nous le doter avec le président Tshisekedi. Et donc, on continue.
nos prochaines éditions, vous suivrez la suite des activités du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie, Christophe Lutundula, lors de son dernier séjour en Suisse. Bonjour à vous, le Fonds mondial, on travaille depuis une vingtaine d'années à la RDC dans la lutte contre les trois maladies, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, aussi dans le domaine du renforcement des systèmes de santé. On était bien reçus, très bien reçus par son Excellence, le vice-premier ministre. On a discuté le partenariat entre le Fonds mondial et la RDC. On a discuté quelques points où ça empêche le Fonds mondial de réaliser son mission dans la lutte contre les trois maladies. Le vice-premier ministre, il était très très responsable à la discussion et j'ai toute la confiance dans la mise en œuvre des points, que ça sera très très vite et que nous, on peut continuer les bonnes relations et la bonne mise en œuvre des programmes dans la RDC. Merci beaucoup pour l'opportunité de rapporter un petit peu ce qui a été fait. La toute première chose que je voudrais dire, c'est que je salue l'initiative comme je l'ai dit à son Excellence, c'est une demande pressante que les fonctionnaires internationaux ici à Genève avaient auprès du gouvernement, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec les autorités congolaises qui viennent ici, en dehors de toute considération partisane, politique, ça c'est très important de le dire. Ce qui a été évoqué aujourd'hui, principalement, bien entendu, c'est ce qui nous préoccupe tous, c'est la situation sécuritaire à l'est du pays. Comme il est ministre des Affaires étrangères, donc c'était important pour nous de pouvoir échanger avec lui sur ces points-là. Il y a des choses qui se disent, bien sûr, qu'on ne peut pas relater publiquement, mais nous avons évoqué la possibilité de voir quelles sont les solutions qui peuvent être amenées pour arriver à la paix dans notre pays. Et il est ministre aussi en charge de la diaspora, et nous sommes la diaspora, et bien sûr nous avons des préoccupations tant administratives que logistiques, etc., par rapport aux initiatives que individuelles ou collectives que en tant que Congolais nous avons pour aider au développement du pays. Et nous avons aussi bien entendu évoqué, parce que nous sommes des fonctionnaires dans les institutions internationales, le soutien que le gouvernement, et en particulier son ministère, doit apporter à tout un chacun qui occupe une fonction au sein de l'ONU et de toutes les institutions spécialisées internationales. Donc c'était très important cette rencontre et je tire un petit bilan positif en appelant à ce que ces rencontres se multiplient. Il est très important que les autorités qui viennent pour rencontrer des gens ici à l'ONU soient en contact au préalable avec les fonctionnaires qui sont à l'intérieur du système, de manière à ce que la voix du Congo, et c'est ça qui est le plus important, c'est que la voix du Congo soit toujours portée haut, fort et de manière très positive. Je suis effectivement très heureux en ma qualité d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, d'avoir pu avoir cet entretien avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à Genève, et de parler d'un fléau qui touche chaque citoyen du monde, qui s'appelle l'insécurité routière. Tous les ans, 1,3 million de personnes meurent sur les routes. Entre 30 et 50 millions de personnes sont blessées, suivies d'une incapacité. Et
il faut absolument agir. Et on sait tout à fait que parmi les pays les plus vulnérables, eh bien, il y a évidemment l'Afrique, et que la RDC, avec une population maintenant de plus de 100 millions d'habitants, était extrêmement vulnérable. Donc l'idée était de voir comment engager avec le gouvernement de la RDC, de manière à ce que on parle de la sécurité routière ou de l'insécurité routière avec plus de vigueur, et que la sécurité routière fasse partie des priorités de l'agenda gouvernemental. Et j'ai eu une audience extrêmement attentive de son Excellence l'ambassadeur, qui va maintenant prendre contact avec le gouvernement de son pays, mais également avec le secteur privé, avec les différentes organisations, de manière à pouvoir engager des programmes dans les plus brefs délais. Bien sûr, c'est un engagement qui est très important pour moi, en ma qualité d'envoyé spécial du secrétaire général pour la sécurité routière. Et si le gouvernement de la RDC décide de faire des actions, de mettre en œuvre des programmes, il est bien entendu que je serai à leur écoute et disponible pour me rendre dans le pays. J'aimerais rendre hommage et saluer le travail remarquable abattu par un digne fils de notre République, la République démocratique du Congo, depuis plus de 25 ans, dans la grande abnégation, dans des difficultés, mais présent et abattant toujours un travail remarquable. Je parle de notre compatriote Jean-Pierre Onema, affecté à Genève, couvrant toutes les activités des différents ministères, des différents services qui vont en mission à Genève dans le cadre de la famille des Nations Unies. Il a un travail vraiment appréciable et nous tenons à saluer, à l'encourager au nom de la République démocratique du Congo, au nom du gouvernement et au nom, puisque je suis un élu du peuple, au nom de la nation. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous osons croire que sa récompense n'attendra pas qu'il meure, mais que déjà sur cette terre, il doit recevoir ce qu'il mérite. Merci beaucoup pour ce travail de qualité que vous abattez, parce que vous êtes les grands ambassadeurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC, et nous osons croire que dans les jours qui viennent, les conditions et les meilleures seront mises à votre disposition pour davantage améliorer les rendements, le travail, la qualité des images qui viennent de la Suisse et particulièrement de Genève dans la grande famille des Nations Unies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, M. Jean-Pierre Onema. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je suis Kwanza.